Hey, c'est Dame au studio Wise Park. Alors t'as remarqué, là je t'ai fait écouter la loupe juste avant de parler, parce que sinon quand j'active le micro on a un son tout pourri, puis j'ai pas envie de faire des trucs au casque et tout, enfin voilà, donc je te faisais écouter la loupe. Aujourd'hui on va surtout faire le kick, et on fera la basse dans un prochain tuto je pense. Je te laisserai les presets, si c'est pas le cas n'hésite pas dans les commentaires à me dire hey, ils sont où les presets. Alors voilà, en fait si tu veux c'est une mise à jour tuto kick, parce que je vois que mes anciens tuto kick ils sont pas terribles du tout, c'est pas convaincant, alors qu'en fait c'est très simple. Et du coup là j'ai visé simplicité, efficacité, donc c'est à dire tu vois j'ai fait un kick techno, sachant que là c'est vraiment un kick de basse que tu peux utiliser absolument dans tous les genres, il suffira de modifier les paramètres. Donc ce kick on va le refaire en fait, et je te montre quand même. Donc c'est un oscillateur avec une descente de pitch, une forme d'onde sinus, une phase à 0, pas de random, voice à 1. Donc un LFO qui dessine cette descente de pitch, un LFO qui dessine l'enveloppe de volume, donc qui est assigné au volume ici, qui est à 0 actuellement. Donc c'est à peu près tout, hein. Franchement c'est à peu près tout sur le synthé. Ensuite tu remarques ici en dessous j'ai un opérateur, lui il me servait en fait à faire un sidechain, mais là on va pas en parler pour ce coup-ci. Alors en post-pros on a deux options là de disto avec amp, et j'ai choisi une troisième. En fait là c'est suivant les styles, donc je te fais quand même écouter par exemple. Donc là j'enlève le amp actuel, donc là on a un truc qui est très neutre on va dire, et je t'ai mis trois options quoi on va dire. Donc là tu as l'option je pense hardcore. Donc tu vois on connaît tous ça. T'as l'option, c'est pour te dire qu'avec le même kick hein, on peut vraiment changer de style très facilement, notamment même là sans changer les paramètres internes. Donc là on a quelque chose d'un peu plus, je me rappelle plus. Tu vois là on a quelque chose de plus house, donc avec une disto bien marquée comme ça. Et moi là j'ai pris l'option la plus neutre, c'est-à-dire tu vois on est à 3% en mode clean. Et là ça te fait juste un petit, ça accentue le clic en fait sur les aigus. Et tu vois que je le mets à peu de pourcentage parce que ça shape vraiment la forme d'onde. Donc par exemple si on fait un petit record, on va voir tout de suite. Tu vois là on a ça, et si je m'amuse à monter un peu plus, tu vois là la forme est super belle, tu vois. Et si, si on monte même rien qu'à 15%, tu vas voir que c'est très différent, alors qu'à l'oreille pas trop. Tu vois, on a quelque chose de beaucoup plus formé sur la partie punch, donc la deuxième partie du kick on va dire, et ça nous intéresse moins. Alors qu'à l'oreille ça s'entend pas tant que ça, tu vois. C'est vraiment vers 3-4% qu'on a ce qu'on veut, et du coup tu vois ça c'est propre aussi. C'est propre aussi à l'écrit. Donc alors on a le synthé avec une petite disto là en sortie pour appuyer le clic. Ensuite on a une satu qui tu vois avec un petit peu de amount. On n'a pas de drive, par contre j'ai remonté le tone un tout petit peu pour aller taper justement sur le haut du bas médium, vers entre 100 et 200, tu vois. Donc faire un tout petit bump à cet endroit-là, donc je te fais écouter 100. Tu vois, on sent tout de suite la satu. Et bon, après, je sais pas ce que ça donne là sur l'audio, mais de toute façon, les presets, tu les bidouilleras. Et donc là aussi, avec... surtout sur celui-là, donc là tu as une grosse marge de manœuvre, puisque là aussi tu peux passer vite fait sur un kick hardcore simplement en mettant du drive ou en touchant le amount. Donc là évidemment il y a pas mal de choses à faire, et bon après il faut quand même maîtriser un petit peu, parce que sinon tu te retrouves avec des trucs tout, c'est tout saturé, ça fait crado sur les systèmes je trouve. Enfin après tu perds vraiment de pump de côté élastique. Donc là je réécoute si on n'a pas perdu trop. Ok c'est cool. Ensuite là on monte un petit peu de volume, d'ailleurs celui-là servait à rien.
Ici, on monte un petit peu de volume. Ensuite, on accentue, on booste un peu le transitoire. Et là, on a un EQ. Donc l'EQ, il vient calmer un petit peu juste avant 1 kg parce qu'il y avait une résonance qui ne me plaisait pas. Je pense qu'on va l'entendre. Voilà, une sorte de A, tu vois, qui allait en fait, qui était déjà pas agréable à entendre le kick seul. Et si avec le mix, ce sera vraiment pas bon parce qu'on va perdre de la marge de manœuvre dans cette zone pour le reste du mix. Ici, c'était pour éteindre largement le clic. Et par contre, là, c'était pour remonter le haut du clic. Voilà, donc là, tu as peut-être entendu ce que font les trois points. Donc, c'est pour te dire, là, on a un kick qui marche du feu de Dieu et tu peux lui donner toutes les formes que tu veux très facilement. Ah oui, je t'ai pas parlé quand même de l'enveloppe. Attaque à zéro. Le decay, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le fais suffisamment grand pour qu'il prenne toute la shape là. Donc, tu vois, sous-entendu, tu peux faire un decay grand comme ça, c'est pas grave. Par contre, faut pas qu'il soit trop court parce que sinon, c'est lui qui va prendre le pas sur notre forme. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Sustain à fond et release à fond, là, dans notre cadre, puisqu'en fait, on a une note, comme je te disais, la note MIDI, qui dure toute la barre. Donc, il n'y a pas de souci, c'est vraiment ça qui va prendre le dessus. Par contre, si la note durait moins longtemps que cette forme-là, eh ben, on aurait eu un petit clic. Donc là, tu es obligé de mettre un petit peu de release pour faire un fondu. Mais tu perds en précision. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un petit tip très technique, mais des fois tu te demandes d'où vient ce clic et c'est intéressant de savoir d'où. Voilà, donc là on a vraiment l'ensemble du patch et tu vois qu'il est dans un groupe, donc ça assez important puisque il y a quand même une hiérarchie dans le sens où en bout de la chaîne ici, j'ai un petit clipper qui agit que sur le kick. Ensuite, par contre, j'ai un groupe qui prend la basse et le kick. Ici, pareil, j'ai un petit clipper qui agit un tout petit peu, mais sur les deux éléments. Et ça, c'est quand même assez important. Pour moi, en tout cas, je trouve ça quand même très utile. Et j'ai un clipper, donc le clipper de master, qui lui aussi clippe l'ensemble. Voilà. Donc c'est une hiérarchie de clipping que j'aime bien avoir parce que bah, déjà j'en ai l'habitude et puis ça te laisse beaucoup de marge de manœuvre, notamment si tu fais des boons, etc. Voilà, donc pour ce tuto, je pense que avoir tout dit finalement. Ah bah non, mais on va se le faire, on va se le faire. Je t'ai promis qu'on se le faisait, donc voilà, donc je récupère le MIDI, hop, lui on l'éteint. Et on part from scratch. Alors Vital. Donc on va refaire en fait tout ce que j'ai dit, donc je mets le level à 0, on se prend une forme d'onde basic shape en sinus, hop, phase à 0 et random à 0, ensuite voice 1, tu peux aussi baisser le spread mais finalement ça revient au même puisque nous on va pas faire de stéréo donc ça revient exactement au même, on avait dit release à 0, sustain à fond, on ouvre un peu le decay pour être sûr. Ensuite, parlons de ce qui nous intéresse. Le pitch, on le descend ici, je crois que c'est moins 36 pour un kick. On fait glisser le LFO sur le pitch. On met la plage à fond. Ensuite, on n'a plus qu'à faire notre petite pente. On sait que pour un kick, à minima, il nous faut 3 points. Après, tu peux obtenir plus de précision si tu veux en faisant plus de points. Je trouve qu'en général ça suffit, c'est déjà avec les courbes, c'est là qu'on a un bon smash, un bon ch'pop. Et je trouve que plus de points après en fait à la lecture des valeurs, et ben tu as moins de précision. Du coup tu as moins de. C'est moins précis en fait, c'est moins parfait, on va dire. Voilà. Alors, normalement ici on commence à être pas mal, sauf que donc trigger, non, on se met en enveloppe et on va se mettre en un quart. Voilà, dans un de mes tutos, je m'étais mis en 1/8, ce qui est une connerie, en fait, il faut se mettre en un quart, comme ça représente vraiment la barre, sachant qu'à partir de là, normalement, c'est la moitié de ta barre et ta basse, voire ta basse qui commence à la deuxième note, comme ça, tu as 3 notes de basse ici. Bref, donc ici, on est bon pour ça, et maintenant, il nous faut du volume. Donc, même principe, hop, on se met sur le level, plage à fond, enveloppe, car pas de smooth.
et la forme classique. Ici, on va se laisser un petit peu de marge. Ici, on baisse. Donc, ça, c'est le clic. On descend très rapidement en volume. Et on remonte très rapidement. On peut se laisser aussi une petite marge ici pour bouger les points. C'est assez agréable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le refermer directement. Et souvent, ça ressemble à ça. Voilà. On va se faire une base comme ça. Et voyons ce qu'on a déjà là. En repère, en général, je me mets près de, tu vois, ce trait là. Je trouve que c'est un bon repère dans différents styles de musique. Des fois, tu es un peu en dessous et des fois, tu es un peu au-dessus. Par exemple, la psy, la prog, tu peux être largement au-dessus au niveau du départ de pitch. Et par exemple, sur de la techno, de la house, tu es largement en dessous. Voilà, donc là on a la base descente de tout kick. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était choisi une petite. Donc on amplifie un petit peu le clic. Donc moi je m'étais mis en clean. Voilà, et puis c'était celui-là en 3%. Alors on a ça, on peut se laisser en mono parce qu'on est en mono. Ensuite on passe sur une statue un petit peu plus. Putain, c'est rigolo, j'ai une araignée qui se balade sur l'écran pendant ce temps. À la campagne. Alors, roar. On ouvrait un petit peu ici. J'aime bien monter un tout petit peu plus. On entend les poules aussi. En même temps, on a des poules. Bon, je te dis pas le boucan qu'elles font, c'est atroce. Donc, on peut se tester à 100% de wet pour entendre bien l'effet. Pas mal, on a un petit peu trop de. On a un petit peu trop de longueur là je trouve, on peut même essayer comme ça. Alors, un petit record, voir ce qui nous sort. Donc on peut voir qu'il a déjà la bonne forme, mais qu'il n'est pas assez fort. Aussi ici, là dans le début de sa deuxième partie, donc la partie punch, il monte pas assez vite hein, pour lui donner plus d'impact. Et je trouve qu'il est trop long, faudrait qu'il redescende un petit peu plus. Tu vois qu'il monte vite dans le sub et puis après qu'il redescende assez vite parce que sinon ça risque de nous gêner dans le mix. Voilà, donc ça c'est classique. On peut se baisser un petit peu de clic aussi ici. Alors qu'est-ce que j'avais dit? On va monter plus vite ici. Ok, on pourrait se mettre plus de volume aussi directement d'entrée, voir comment ça sort dans les distos et satus, parce que le volume est important dans ces outils-là. Tu vois, donc on se met juste en dessous du point de distorsion désagréable. Et ensuite, on ira rechercher ce point de distorsion, et pareil, juste en dessous, mais avec un autre outil, avec le clipper. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner des formes, des harmoniques, et ensuite, on va aplatir tout ça dans le final. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce que j'avais au-dessus? Ensuite, on avait... Ouais, super, il est vraiment simple, hein, celui-là, parfait. Donc ici, on a le... Mais on va... Comment ça s'appelle? Le sidechain, on va pas le faire tout de suite, on va le faire dans le tuto basse. Et du coup, bah finalement, on n'a plus que le clipper et éventuellement le volume à régler. On va se mettre un volume quand même, puisque c'est toujours pratique d'avoir un utility. Et tu sais, tu me connais, moi des fois j'essaye de changer la phase quand je couple avec la basse. Et c'est vrai que cet outil, finalement, quand il est déjà sur la piste, c'est toujours pratique. Donc là, moi j'aime bien, c'est... comme on a fait juste avant avec la disto, là, voir la limite du clipper.
Donc ce que je fais maintenant, c'est que je booste un petit peu le volume en entrée. Tu vois, donc là, ça me permet de capter qu'est-ce qui sature, donc quelle bande de fréquence. Et là, ça me permet aussi donc de mettre un EQ en fonction. Et puis, donc, de faire les EQ de base, tu sais, comme on a vu juste avant, donc le clic. Je vais enlever ça. Tu vois, donc là, c'est ce bump là qui nous dérange. Et ce bump, en fait, attends, je remets ça. Ce bump, on va quand même le gérer dans le synthé. Parce que du coup, ça nous donnera beaucoup plus de souplesse. Donc en fait, c'est que ce point-là est trop haut. Ou que la courbe, tu vois, que la courbe là est trop pentue. Ou pas assez pentue d'ailleurs. Tu vois, là, pas assez pentue. Donc là, on a trop de piou, mais par contre, la forme est un petit peu plus plate, elle est plus passe-partout. Donc ce qu'on va faire, c'est baisser ce point comme on a dit. Donc là, tu vois, on obtient un kick techno très très droit, donc vraiment aussi un classique. Et donc sur ce classique, là, tu peux donc changer les paramètres de disto. Et changer un petit peu les EQ pour lui donner plus de caractère. Donc tu vois, je vais faire remonter le 10 kg, ça s'entend bien, c'est super, super intéressant. Et c'est bien d'avoir mis le amp en avant, puisque lui va créer des harmoniques dans cette zone, et c'est ça qu'on va aller booster. Qu'est-ce qu'on a à faire? Peut-être encore un point d'EQ, et bouger un petit peu ça normalement quand même encore. Voilà, normalement on a un kick techno un petit peu passe-partout. Je vais l'enregistrer, voir ce qu'il donne. On peut lui mettre plus de clics. Voilà. Et ouais, on peut lui mettre largement plus de volume en entrée. Enfin, en début d'amplification. Ok, et là on se laisse un peu de marge de manœuvre, normalement il est plus souple que l'autre. Alors tu vois, là ça me donne envie quand même de monter un petit peu le amp. On va voir si ça nous fait quelque chose d'intéressant. Ouais, là on reste correct. Je vais remonter encore un petit peu le... Ah bah tiens, on va peut-être faire un peu de distorsion si on a de la place. En faisant de la disto, on voit les harmoniques apparaître ici. Hein. Et tu as vu que plus je monte le tone, moins ça sature le bas. Hein. Forcément, c'est fait pour. Et là aussi, ça te laisse de la place et ça réagit différemment finalement par rapport au monde. Donc, en fait, tous ces paramètres, tu les changes. Tu vas jamais avoir exactement deux fois le même kick. Mais après, c'est le principe finalement qui t'amène là, quoi. Je vais quand même monter un petit peu plus tout ça. Voilà.
Alors, fer par rapport à l'autre. L'autre, il avait l'air plus fort quand même. Ah, c'est qu'on a oublié le Transient Shaper, évidemment. Donc, c'est vrai que ça, ça joue pas mal hein, quand même. Ça joue pas mal. Donc, je me remets sur le deuxième. Et je te rappelle que c'est, il est gratuit, hein, c'est chez Melda. C'est Transient Shaper. Ouh là là. Désolé. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est pas Melda, c'est Kilohertz. C'est Kilohertz, ouais. Et c'est gratoche. Alors, fais voir ça. Tiens, ça lui amène tout de suite le tap-tap. Est-ce qu'on se le met avant l'EQ? Petit record maintenant. Tu vois, donc comme ça te le ramène comme ça. Et donc c'est pour ça que le amp est beaucoup plus sensible, tu vois. Donc là, forcément, je le rebaisse finalement. Tu sais. Je le remets à 3. Voilà. Donc un peu, là on a un kick tu vois, qui marche bien. Et on a donc ces paramètres. Le amp, tu vas pas trop pouvoir le changer. Comme je te disais, tu peux changer d'algorithme là pour vraiment changer de style. Mais voilà, si tu veux rester clean, c'est pas mal. Et ensuite, donc si tu veux vraiment changer le caractère de ton kick, ça va être avec donc l'entrée ici, donc la fréquence d'entrée, la hauteur de ce point-là et la courbe ici, et la courbe là, ainsi que la fermeture sur ta fondamentale. Est-ce qu'elle va, ta fondamentale arrive tôt, ou est-ce que tu vas faire une descente de pitch la plus longue possible, quoi. Parce que ça, il y en a, ils savent pas trop, mais c'est ce point-là aussi, donc ça te prolonge ton piou. Et c'est vrai que j'avais entendu il y a quelques temps, là, tu sais que les gens parlaient du pitch et du kick. Bah oui, oui, donc un kick, c'est une descente de pitch, et bah, soit elle s'arrête jamais, et puis par contre, c'est le volume qui fait que bah, ça coupe. Du coup, elle aurait bien continué la descente de pitch, mais on coupe en volume. Soit, bah, si, t'es arrivé sur ta fondamentale, et finalement, le volume finit après. Et donc là, tu as un sweep, ce qu'on appelle un sweep, et après, bah, tu as la fonda. Donc la fonda, en tout cas, en l'occurrence, elle arrive à partir de ce point-là. Donc à toi de décider si elle arrive tôt ou tard, sachant que si elle arrive tôt, évidemment, ta fonda, en général, elle est bas, elle est grave. Donc si tu descends vite à ta fonda, bah, des fois, tu as moins de percussion. En fait, t'as moins de... Donc si je voulais descendre vite à ma fonda ici, j'aurais eu tendance, évidemment, à monter mon point d'impact médium, le pump. Tu vois. Et là, pareil, on reste dans le style techno, par exemple, en faisant ça. Alors que on peut dire qu'un vraiment un classique de la techno, et ben justement, il peut avoir un sweep qui est très ouvert comme ça. Et par contre, on descendrait assez bas là, et du coup, on aurait une rondeur ici en boum, boum, dans le sub, tu vois. De là à là, il faudrait arriver dans le sub. Et peut-être on peut plus s'ouvrir ici, par contre, voilà. Tu vois, donc là on finit le kick en faisant vroom, vroom, vroom. Donc tu vois, alors que si tu rapproches, bah, là tu es direct sur la fonda, mais voilà, là tu perds du punch par exemple. Et c'est pour ça qu'en général tu remontes ici et tu remontes un petit peu là, quoi. Et c'est ce qui a fait les kicks psytrance type Astrix, etc. On part de haut et on descend très bas, très rapidement. Et par contre, en fait, on fait un sweep, tu sais, une pente bien, bien marquée, justement, pour qu'on l'entende. Et que ça donne quand même ce côté percussif. Donc voilà, nous, en techno, on serait plutôt sur quelque chose comme ça, un peu plus haut. Et donc, après, t'as le choix de la pente, suivant aussi ta basse, quoi. Hein, ça dépend de la basse. Si tu veux que ta basse prenne bien le dessus, c'est aussi bien d'avoir une fonda qui arrive rapidement quand même, tu vois. Ou tu te fais un gros donc tu te fais un gros piou. Par contre, pareil, tu le finis rapidement, surtout en level, quoi, en amplification. Voilà, voilà. Enfin, je sais pas si tu me comprends, mais
comme je te disais un peu avant aussi, c'est bien d'aller chercher le piou piou, tu sais, parce que ça, sur les sons de système, ça sort super bien. Donc ça faut bien le gérer. Donc voilà, bon, c'était pour te dire que en gros tu as quand même pas mal le choix du kick, c'est assez simple. Par contre, ce qu'il faut, c'est que tu mettes bien les éléments que tu veux. Finalement, il faut qu'il y ait tout, mais il faut qu'il y ait tout quand il y a le kick basse. Donc il y a des éléments que tu vas atténuer sur ton kick pour les livrer à ta basse, et inversement. Voilà, donc là je réenregistre voir celui-là ce qu'il donne. Ouais, il est pas si mal, le premier est mieux quand même, hein, largement. Hop, si on est en solo, c'est sûr ça marche pas. De toute façon, je te livre le premier. Bon, t'as vu le principe, c'est la même chose. Après, j'y ai passé un petit peu de temps sur le premier. J'ai dû passer, je sais pas, 20 minutes à bidouiller pour qu'il soit propre. Voilà. Ok, bah du coup, maintenant, on va passer sur la basse. Et j'espère que t'as appris des choses. N'hésite pas à mettre des comments si t'as des interrogations encore. Allez, bye.